Bonjour. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui comment construire quelques toitures de façon extrêmement rapide et je dirais même intuitive, sans avoir énormément de compétences, hein. Le but étant toujours de mettre l'outil au service de la problématique. Nous sommes archéologues, nous ne faisons pas de l'informatique, nous devons donc faire les choses de façon rapide et correcte, bien entendu. Eh bien, alors là, vous avez en face de vous quelques exemples de toitures. Hein, sont à peu près toutes pareilles, mais en réalité, j'ai utilisé quatre méthodes différentes. Et je vous montrerai les quatre méthodes assez rapidement. Donc, je garde ce fichier de côté, fichier que je mettrai à votre disposition. Je vais en créer un nouveau. Je vais en créer un nouveau. J'utilise, comme vous voyez, SketchUp Pro 2021. Et vous pouvez obtenir exactement la même chose en utilisant n'importe quelle autre version de SketchUp, y compris la version en ligne, gratuite, moyennant la création d'un compte, lui aussi gratuit sur Trimble, comme vous le savez. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Je garde celui-là. Apparemment, des enregistrements à faire. On garde aussi Notre-Dame dans l'espace de travail. Ça nous donnera des repères parce que vous allez voir, je vais aujourd'hui, pour des questions de temps, éviter d'utiliser des mesures exactes. Voilà, je vais faire les choses assez rapidement. Voilà, donc c'est une bonne référence. Donc, voilà, la première chose que je vais créer, c'est la base de la maison. Donc, vous allez me suivre. Donc, vous voyez, je vais essayer quand même de faire quelque chose qui soit relativement. Donc, faire une maison assez grande de 7 par 20. Allez, 7 mètres. On écrit, vous savez. Voilà. Donc, et on va réutiliser cela aussi par la suite. Donc, on va copier-coller. Quatre fois. On va aussi enregistrer le fichier. Tout de suite. Voilà. Toiture bis, parce que j'ai déjà un fichier qui s'appelle comme cela. Donc, une fois qu'on a créé la base de la maison, une face notamment, avec quatre arêtes, on va prendre l'outil de déplacement et on va la déplacer. Sauf que si je déplace normalement comme ça, alors. Pardon. La première chose que je vais faire, évidemment, c'est de la sélectionner entièrement. Si je déplace parce que sinon vous avez vu ce qui se passe, ça déforme. L'outil de déplacement qui déforme est un outil assez intéressant qui va nous servir d'ailleurs pour créer justement la toiture en utilisant la première, la plus simple des quatre méthodes que j'envisage de vous montrer. Donc je vous disais, on va d'abord sélectionner. La sélection se fait en faisant un triple clic. De la souris gauche, clic droit gauche. Ensuite, si j'utilise l'outil de déplacement tout court, eh ben, je déplace. Mais si, une fois que je l'ai sélectionné et avant même de l'utiliser, je clique sur, et vous pouvez bien le voir ici, sur contrôle, voilà, désormais, vous êtes en train de faire un copier-coller, voyez, et vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. À chaque fois, en cliquant sur contrôle, hein? Contrôle, etc. Donc, on a fait quatre maisons, ouais. Elles sont identiques, hein? Assez longues, mais bon. Voilà, donc, déplacement, contrôle, et puis on déplace à nouveau. Et comme ça, on a un copier, et ça vaut pour toutes les phases, pour tout ce que vous devez faire. Hein? C'est très utile, sachez-le, n'oubliez pas cela. Donc, on enregistre toujours, contrôle S, comme ça, c'est bon. On va faire notre petite maison très rapidement. Première méthode. Donc, la plus simple, c'est de faire l'extrusion. Alors, attention, parce que là, j'ai la dernière qui est sélectionnée. Donc, excusez-moi. Donc, je vais d'abord sélectionner la face qui m'intéresse. Extrusion. Voilà. Alors, on peut faire une extrusion de. Je sais pas, sachant qu'on va faire aussi le toit, on va faire une extrusion de 4 mètres. Allez. Voilà. Et puis, on va tracer un toit. Et ben, c'est extrêmement rapide. On peut faire aussi une petite porte juste pour donner l'idée qu'il s'agit bien d'une maison. Voilà.
Normalement, ça, c'est le point du milieu. On peut tracer une porte, vous savez, une porte fait au moins 2 mètres. Hein? Et ça veut dire qu'on va faire 2 mètres aussi de la fin, 1,50 m de large. Donc, on va faire 75, 0,75 cm d'un côté. Et la même chose de l'autre côté, 0,75 de l'autre côté. Voilà. Tac. Voilà. Et on. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'enlever l'arête centrale que j'utilisais juste comme repère, dû prendre mon outil de extrusion. Oups. Oui, je vais le faire. Je laisse la porte comme cela pour l'instant. Et je fais tout simplement ça. Ouais. Tac. Voilà. Très bien. Donc, une maison, une base est faite. Maintenant, on va faire le toit, comme je disais, la première des méthodes est la plus simple. Je tire donc une ligne moyenne et centrale et je vais utiliser l'outil de déplacement que je vais. Voilà, activé au centre de cette arête que je viens de créer. Une fois que je me mets au centre, et je la tire vers le haut. Alors, je peux le faire d'une façon, je vais faire 2,50 m, tac, et j'ai eu mon toit. Voilà, ça c'est la première façon de construire un toit. Maintenant, on va y ajouter un petit peu de texture. Donc, voilà, il suffit un petit peu de texture. Donc, la texture, vous pouvez la retrouver ici dans la colonne de droite. Vous avez plusieurs onglets. En l'occurrence, ce qu'il nous faut, c'est l'onglet matière, si on veut faire quelque chose de rapide, bien sûr. Et vous avez ici la possibilité de choisir parmi des textures déjà présentes dans le logiciel. Par défaut. Donc, voilà, vous avez des textures relatives à la couverture. Et voilà, donc dans la couverture, vous avez plusieurs types de tuiles. On peut choisir des tuiles tout à fait classiques, les tuiles espagnoles, voilà. Et on va donc appliquer la texture aux deux faces du toit. Sachant que, vous voyez, les tuiles sont plutôt petites, bon, ça devrait aller. On peut éventuellement mesurer la largeur de la tuile, voilà, juste pour avoir une idée à peu près. Donc, c'est une tuile qui a environ fait 13 cm, pas beaucoup, on pourrait augmenter un petit peu. Voilà. Donc, si vous voulez augmenter, en tout cas, sachez que vous pouvez le faire toujours dans l'édition. Et ici, vous avez la possibilité de modifier justement les proportions de cette texture. On pourrait mettre un, vous voyez, mais c'est un peu trop grand, donc peut-être plutôt un tout court. Voilà. Voilà. Et ça a l'air plutôt bien. Voilà. Ça me semble assez bien. Donc, ce qui fait avoir la tuile finalement une largeur d'environ 16,5, 17 cm, me semble plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est une façon plutôt rapide de réaliser une toiture, comme je vous l'ai dit. On utilise l'outil crayon, ligne, et on déplace l'outil crayon vers le haut. Je vais le refaire rapidement à côté, et puis comme ça me permet de vous montrer aussi un autre outil, c'est-à-dire que quand on fait l'extrusion, pour paramétrer la hauteur, vous voyez, on peut se déplacer à côté d'un objet déjà présent et l'utiliser comme repère pour définir la hauteur de l'extrusion. Voilà, c'est ça. Donc, on va utiliser l'outil crayon, on se met au milieu. Pas obligé d'être au milieu, évidemment, ça dépend de la toiture que vous devez faire. Je suis en train de faire quelque chose de très schématique. On trace l'arête centrale qui divise en deux, donc, le rectangle de base, et ensuite on prend l'outil de déplacement, on se met au centre, et voilà, et lui le repère tout seul, point du milieu, vous voyez. Alors vous ne voyez peut-être pas forcément, mais quand on se met de ce côté-là, ça se voit. Et puis évidemment, attention à la façon dont vous déplacez, donc pour éviter de faire des bêtises, vous pouvez contraindre l'axe, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, là. Donc par exemple, en cliquant sur la flèche haut,
Et donc, vous contraignez sur l'axe bleu. Vous pouvez faire évidemment quelque chose de très haut ou de très bas. Alors là aussi, puisque vous avez déjà la référence, voyez à côté. Donc, vous contraignez, en même temps, vous vous déplacez avec la souris et vous cliquez. Voilà, le toit est fait. Le reste, vous le connaissez. Donc, ça, c'est un premier exemple de toiture. Vous avez une deuxième possibilité, un peu plus complexe si vous voulez, mais intéressante elle aussi. Donc, il s'agit là aussi de faire l'extrusion de ce rectangle. Cette fois-ci, on va faire l'extrusion jusqu'au sommet hypothétique du toit. Alors, on ne le connaît pas, mais on va utiliser celui-là comme référence. D'accord? Tac. Donc, on va faire une sorte de grand parallélépipède. Et à partir de là, on va utiliser un nouvel outil qui sont les guides. Voilà. Et je vous montrerai comment faire. Et donc, l'idée est de construire un toit, un triangle ici au milieu en utilisant justement les règles. On peut le faire aussi d'une autre façon. Enfin, on pourrait faire ça d'une façon un peu plus violente, c'est-à-dire par exemple directement en utilisant, parce qu'on a déjà ces repères-là qui peuvent nous aider. Donc, on pourrait effectivement essayer de faire activer si ça marche. Mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, effectivement, je vous le montre. Là, je ne vois pas qu'il n'y a pas d'activation automatique de ce repère-là. Ce n'est pas grave, on va faire juste ça. On va rester sur cette face-là. Voilà. Ouais. On a donc réalisé, dessiné les deux versants du toit. Il suffit maintenant de faire l'extrusion de ça, ouais, jusqu'à la fin. Double-clic. Oups, je suis désolé. Voilà. Ça va marcher. Donc, voilà. Généralement, vous faites un double clic et vous aurez là. Voilà. Donc, on a à peu près obtenu ce que l'on voulait assez rapidement. Mais si vous souhaitez faire quelque chose de plus précis, donc oui, ça marche tout aussi bien, vous avez la possibilité d'agir différemment. Donc, comment? Voilà, on ne va pas tracer des lignes immédiatement avec l'outil crayon, ligne, crayon. Mais vous pouvez utiliser des lignes de guidage. Donc voilà, vous mettez par exemple au milieu. Vous allez d'abord définir l'angle. Là, normalement, si avec un peu de chance, on devrait. Voilà, vous voyez, on a la projection de ça. Donc c'est très bien. Donc on va. Voilà, on va cliquer une première fois pour définir l'angle et une deuxième fois pour tracer le guide, pardon. Ensuite, on reprend, on est au point milieu, vous voyez, donc c'est très bien, voilà, paf. Et voilà que le guide, la projection fonctionne aussi dans ce sens-là. On va cliquer une première fois pour définir l'angle de rotation et de ce guide. Et puis une deuxième fois, voilà, pour obtenir les guides. Vous voyez, les guides sont là, sont faits. Et une fois qu'on a les guides, on peut tracer deux lignes, mais désormais de façon un peu plus correcte, n'est-ce pas, en suivant la direction de ces guides. Donc, on va se mettre au même point. Voilà. Donc, on est guidé, en fait, par les guides, ce qui est tout à fait normal. Voilà. On a la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est paramétré. Voilà. Et donc, évidemment, vous en voyez l'intérêt. Maintenant, on a utilisé comme repère la maison qui est juste à côté, mais si on n'avait pas eu de maison, on aurait pu utiliser les guides parce qu'on connaissait, par exemple, l'angle d'inclinaison du toit. Hein? Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, on n'a pas regardé l'angle, mais ces guides-là, si on va reprendre l'angle, voilà, donc on a un angle qui, donc là, malheureusement, on ne peut pas le récupérer, mais enfin, quand on fait ce genre de choses, l'angle, on peut le paramétrer, en fait. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Bon, je suis allé plus loin. Rétablir guide. Donc, c'est important de. Et j'ai dû effacer aussi ça. C'est important, l'utilisation du guide vous permet effectivement de mieux travailler. Hein, non pas au hasard, mais de façon justement paramétrée. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, il ne reste que à faire l'extrusion jusqu'au bout. Voilà. Et normalement, si vous faites double clic maintenant, voilà.
Ça marche. Alors, il y a les guides. Les guides, éventuellement, peuvent vous déranger. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez, par exemple, les éliminer ou vous pouvez tout simplement, par exemple, les désactiver. Or, ça, d'accord, pour ajouter la texture. Mais en réalité, il y a quelque chose qu'il faudrait faire, parce que justement, c'est la deuxième méthode. C'est terminé en soi, donc vous connaissez. On peut aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et par exemple, on peut déjà aller sélectionner les deux faces et on peut les créer un groupe. Comme ça, on aura un groupe qui est relative uniquement aux deux versants du toit. Et ensuite, on a un deuxième groupe. Ouais, en cliquant trois fois, il comprend tout de suite qu'il s'agit uniquement du reste de la maison à l'exclusion des deux faces. Et on va donc créer un deuxième groupe, ce qui nous permet de séparer désormais les deux entités. Voyez? Donc, si je prends ça, juste je fais un exemple, vous pouvez l'enlever. Tandis que tout à l'heure, on n'aurait pas pu le faire parce que cela aurait déformé l'édifice et le toit lui-même. Donc, cela nous permet d'aller plus loin parce que, par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant faire. Alors, vous savez, un toit n'est pas comme ça, on le verra encore mieux tout à l'heure. Il faudrait effectivement des poutres, des pannes qui le soutiennent. Donc, on pourrait, par exemple, faire monter un petit peu le toit et créer des poutres qui le soutiennent. On peut, par exemple, le déplacer plutôt comme cela, de ce côté-là, et contraindre comme d'habitude. Donc, on va dire qu'elle le fait monter encore des poutres qui vont voir, je ne sais pas, un diamètre de 50 cm. Tac, voilà. Et donc, on va mettre, par exemple, des poutres ici qui vont jusqu'à l'autre côté de l'autre fronton, si vous voulez, l'autre façade de la maison. Alors, cette partie-là, je vous la montrerai mieux dans une autre méthode. Je vous montrerai éventuellement une seule poutre. Et voilà, donc on pourrait par exemple dessiner une poutre ici. On va le faire de façon assez, comment dire, rapide, parce que c'est plutôt. Voilà, vous voyez. Alors là, il y a la possibilité. Alors, il faut trouver la juste inclinaison. Vous voyez, voilà. C'est un tout petit peu. Voilà. Donc, vous avez fait une première poutre. Je le fais très rapidement parce qu'après, je vous montrerai encore mieux dans un autre. Et donc, on va faire l'extrusion de cette poutre jusqu'à l'autre bout de la maison. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez les poutres qui soutiennent le toit, et vous pouvez faire évidemment autant d'autres poutres jusqu'à arriver de ce côté-là et de ce côté-là, ce versant-là. Bref, après quoi, le toit, effectivement, vous comprenez bien, il est trop court, donc il faut que le toit dépasse toujours la toiture un petit peu les murs périmétraux, histoire de protéger évidemment le bâtiment, c'est une des fonctions d'une toiture, et de protéger également les murs, donc il faut un léger bord, hein, bordure, ce qu'on peut faire, donc on va sélectionner le toit. Alors, voilà, vous voyez, le toit indépendant, la maison est aussi un bloc, donc normalement elle est indépendante, et donc on a aussi la poutre. La poutre aussi, si vous voulez, vous la transformez en groupe, comme ça, elle ne pourra pas se déformer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, il faut, comme je vous disais, un petit peu faire déborder le toit. Et donc, je vous propose de faire ça de façon paramétrée, d'une façon extrêmement rapide. Vous pourriez utiliser là aussi les règles, les guides, mais sinon, vous faites quelque chose d'encore plus simple. Donc, on décide par exemple que le toit doit dépasser les murs périmétraux d'un mètre. Voilà. Et donc, on va faire ça, on prend un crayon, on va se mettre même au milieu, mais ce n'est pas nécessaire, et on trace une ligne de 1 mètre sur l'axe rouge. On la fait monter aussi sur l'axe bleu, on contraint, tac, jusqu'à là. Voilà, vous comprendrez dans quelques instants ce que je suis en train de faire. Donc, la même chose ici, 1 mètre, et puis on contraint et on la fait monter. Voilà, donc on a créé ce qui devrait être le déplacement de notre toit.
des repères, on va dire. Maintenant, on va sur l'outil échelle. Après avoir sélectionné le toit, il était déjà sélectionné, c'est pour ça que je n'ai rien fait toucher. On va prendre le point moyen, ici, oui, et on va donc agrandir jusqu'à cela, de ce côté-là. Mais vous voyez, si je fais juste de ce côté, le toit s'est déplacé, donc il faut que ça se déplace de la même manière aussi de ce côté-là. Et voilà que nous avons désormais créé quelque chose. On devrait techniquement faire la même chose maintenant vers le bas, donc il faudrait réussir à prendre ça pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui permette au toit de retoucher, vous voyez, là-dessus. Donc ce que je vous propose de faire, en l'occurrence, c'est un peu plus complexe parce que effectivement, il faut arriver à toucher la poutre qui est là, et c'est pas évident. Alors je reviens en arrière un instant, excusez-moi, et on va voir si par hasard on y arrive comme cela. En fait, alors, attendez, il faut prendre la partie inférieure. Ah. J'ai pas pris la partie inférieure, si. Sauf qu'effectivement c'est un petit peu compliqué de l'abaisser jusqu'à ce que donc attendez, alors on va faire comme ça. Voyez, là la mise à l'échelle en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'on a agrandi et du coup on a perdu le contact avec ce qui n'est pas en soi n'est pas si grave. On pourrait faire quelque chose de plus simple. Alors, parce que c'est difficile, ça prend du temps et de réduire, et puis on s'en sort pas facilement. Ce qu'on peut faire, en réalité, c'est encore plus simple. On pourrait, par exemple, déplacer le toit, histoire de faire en sorte qu'il touche, voilà, là, à nouveau la poutre. Ouais. Et la même chose de l'autre côté. Sachant que maintenant, il y a un petit peu de décalage par rapport à la poutre, donc il faudra améliorer cela. Moi, le concept, c'était juste de vous montrer, mais donc vous pouvez éventuellement faire ça, ou bien autre chose encore, vous voyez, avant même, vous ne tracez pas de poutre, la première chose que vous faites, c'est encore plus simple, vous voyez, c'est une façon de... Voilà, vous ne construisez pas la poutre. La première chose que vous faites, c'est effectivement tracer votre ligne afin de définir le dépassement d'un côté et puis de l'autre. Hein. Alors, on va faire ça. Tac. Et ensuite, on décale ça. Voilà, tac. Et on va maintenant, à chaque fois, je clique sur échappe, évidemment, vous comprenez ce qu'on peut faire. Oui, je travaille aussi en direct parce que les méthodes sont différentes et chaque méthode peut poser des problèmes différents, des contraintes. Il faut trouver toujours la solution, on a tout, comme vous voyez. Donc, on va arriver ici, même chose que j'ai fait tout à l'heure, on prend les points au milieu, c'est bien. Peut-être qu'on est assez éloigné un petit peu trop. Pas forcément, mais enfin, on peut éventuellement réduire ça, mais si vous réduisez, vous voyez, ça se passe comme ça, donc il faut faire là aussi preuve de d'attention, donc c'est bon, on devrait créer les poutres, on devrait baisser. Alors là, du coup, je pense que de là à là, on en a pour 50 cm, si j'ai bien fait. Donc tout à l'heure, on avait choisi 50 cm, effectivement. Ce qui a augmenté, c'est plutôt à ce niveau-là. En même temps, si je utilise ça, vous voyez, alors je rentre dans mon groupe et vous voyez qu'il s'affiche une boîte englobante. Ce que je pourrais essayer de faire, c'est de prendre l'outil de rotation, vous voyez, je donne l'angle de rotation et j'essaie, voilà, vous voyez, de paramétrer, d'améliorer la rotation
pour que ça fasse à nouveau 50 cm ici. Donc, ce que je peux faire, c'est de tracer. Vous voyez, c'est évidemment, il y a plusieurs choses à faire, mais c'est pour vous montrer, effectivement, on peut tracer une ligne de 50 cm, on pourrait faire avec un guide, en réalité, ce serait mieux, 0,5, voilà. Et ensuite, comme je vous le disais, on pourrait tracer un angle, histoire de faire en sorte que, voilà, vous voyez, le toit, certes, dépasse, mais le dépasse d'une façon régulière. C'est-à-dire que la distance, pardon, que la distance entre le versant du toit et les murs périmétraux soit la même. Ouais, ça, on peut trouver toujours une solution, on peut faire la même chose de l'autre côté. Mais encore une fois, il faut rentrer à l'intérieur du groupe, ce que je suis en train de faire, ce qui est encore le cas. Okay? Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, 0,5, virgule, la virgule, on n'est pas dans AutoCAD. Et ensuite, même chose, outil de rotation, vous choisissez voilà, ce qu'il vous faut, et ensuite, et vous faites pivoter. Ah, évidemment, il m'a pris en compte la totalité du toit, ce qui est tout à fait normal, donc il faut prendre juste la face en question, vous la sélectionnez, donc faites attention, parce que là, tout à l'heure, j'avais pris les deux, et vous faites pivoter une seule, voyons si ça marche, et voilà, exactement, c'est ce que tout ce que je voulais. Parfait. Et ben voilà, le travail est fait. Vous enlevez ce petit guide que vous avez créé, artificiel. Voilà, vous sortez, vous enlevez aussi les deux autres. Voilà, tout est bon, on n'en a plus besoin. Tac, tac. Et là, vous reprenez les outils que je vous ai montrés. Vous faites un petit rectangle. Évidemment, tout ça, voilà, et on arrive jusqu'à ça et on trace, on extrude. C'est un peu compliqué, évidemment, il faut avoir un ordinateur qui a... Enfin, c'est pas compliqué, mais enfin, il faut avoir un ordi avec un grand écran, et voilà, que... Hop là, je suis parti en bas de là. Et voilà. Alors, évidemment, ce qui est intéressant... Et là, vous avez... On a un groupe, et comme je vous disais, même chose pour votre poutre, vous créez un groupe, ou encore mieux serait de créer un composant. Ça, ce serait éventuellement beaucoup plus intéressant. Et puis, vous savez, vous avez, par exemple, les poutres. Hein? Comme ça, si vous faites des modifications maintenant sur une poutre, la modification se répercutera sur l'ensemble des poutres. Et là, vous pouvez, par exemple, avec l'outil déplacement, contrôle, hein, et vous pouvez la dupliquer autant de fois que nécessaire. Contrôle. Hein? Ah, je le fais de façon très rapide, comme ça je vous le montre déjà ici. Contrôle. Ah, je n'ai pas eu les mêmes distances et je vous montrerai d'ailleurs qu'un contrôle. Voilà. Et on l'a une dernière fois jusqu'à arriver ici. Voilà. Eh bien, vous avez votre toit. Bien sûr, après, il faudra faire disparaître toutes ces arêtes qui sont là, qui peuvent être dérangeantes, surtout pour la texture. Donc, il faudra les masquer d'une certaine manière, ou bien ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire une autre chose encore. Vous pourriez par exemple copier-coller cela, faisant en sorte qu'il soit un peu plus. Voilà, tout ce que l'on peut faire pour masquer ces choses-là, on pourrait, et donc on pourrait encore une fois sélectionner, déplacer, contrôle. Et on va juste monter un petit peu. Ouais, je suis en train d'en faire un deuxième, voyez, et ce qui me permettrait théoriquement, alors je contrains, je monte de, on va dire, 1 cm, 0,01, parce que l'unité de mesure, c'est là, je vais voir si normalement, devrait, cela me permet, et je vais effacer la première toiture que j'avais utilisée. Voyons. Voilà. Alors, j'ai encore quelque chose qui est dérangeant, mais cela vous montre un petit peu comment on peut travailler, bien sûr. Alors, les arêtes, en réalité, on pourrait utiliser la gomme et voir si on arrive à les faire disparaître. Il y a, attention, parce que quand vous utilisez la gomme, vous faites disparaître tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement, sauf que c'est un... voilà, je vais voir si ça a marché. Je pense, non. Il faudrait utiliser... Comme il s'agit d'un groupe, il faudrait en réalité les éclater parce que sinon on n'arrive pas à les effacer. Ouais.
Ce que je voudrais, c'est qu'il m'efface juste l'arête. Alors, on va voir si en explosant en éclatant le groupe, il arrive à me faire. Voilà. Voilà ce que je voulais. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire, en gros, c'est plutôt faire ça, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé, pour cacher les arêtes. En réalité, vous utilisez la gomme, mais pas tout court, la gomme tout court, sinon vous faites disparaître la totalité des choses. Vous devez d'abord éclater le groupe, voilà, et vous pouvez par la suite utiliser la gomme. Encore une fois, si vous faites ça, ouais, ça vous détruit la face intérieure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur majuscule, voilà, et vous voyez que vous enlevez juste l'arête, mais le reste est à sa place. Voilà, et faire ça, il faut le faire pour tout, évidemment, pour toutes les poutres. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appliquer la même texture que vous avez appliquée ici, parce que si on applique maintenant la texture, et bah, ça va être un peu compliqué. Donc, pour appliquer la texture, il faut aller sur l'outil, sur la boîte ici, colorier. Donc, on va utiliser la même. Ouais. Et donc, on va avoir cet effet qui est plutôt moche. Et voilà, donc c'est vrai que avec ces lignes qui peuvent être dérangeantes, donc il faut les enlever. Et voilà. Il y a un petit peu de travail à faire à ce niveau-là de la texture, mais ça c'était pour vous montrer un petit peu comment rajouter les poutres. Maintenant, on va voir encore une troisième méthode. Alors, j'ai pas fait de poste là non plus, mais enfin, vous l'avez compris. Alors, je pourrais d'ailleurs prendre cela, hein, vous l'avez compris désormais comment ça marche. Je sélectionne les trois en appuyant sur Shift. Donc, je prends une première fois, Shift majuscule, et je prends les trois. Ensuite, outil de déplacement, contrôle. Vous voyez? C'est extrêmement simple. Vous prenez le point du milieu, éventuellement ici, voilà, et vous allez vous mettre au point du milieu dans ce groupe-là. Vous avez la porte à la même taille. Ou, par la suite, alors oui, c'est vrai que c'est un groupe, alors il faut éclater le groupe. Et là, vous pouvez enlever la porte. D'accord? Bon. Donc, voilà, un peu de travail, un peu d'entraînement, ça va aller. Alors, maison. Une maison, bah, il y a une base, bien sûr, mais il y a aussi des murs. Et là, les murs, on ne les a pas faits, si ce n'est dans leur face extérieure. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'épaisseur des murs. Alors, la maison elle-même, on avait dit qu'elle fait, si je me souviens bien, 5 mètres. Alors, je ne sais plus en réalité. Je vais vérifier cela. Non, elle fait un peu plus, 7 mètres. Donc, bon, des murs périmétraux, des murs porteurs, on va dire, doivent faire au moins bon, entre 40 et 60 cm. Donc, on va utiliser l'outil éclaté qui est là, de décalage, pardon, pas l'outil décalé. Et donc, on va cliquer sur l'outil décalage, on va prendre l'arête qui nous intéresse et on va lui donner la direction de décalage. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur. On va plutôt rester à l'intérieur et on va donner le décalage qui, comme je le disais, doit être effectivement de 0, allez, 50 cm. Voilà. Donc, on a immédiatement obtenu un deuxième rectangle, deuxième face, voilà, et un contour. Ce contour, on va pouvoir maintenant l'extruder, histoire d'avoir les murs. Voilà. Donc, on va l'extruder. Oups. On va l'extruder jusqu'à cette taille-là, hein, à cette hauteur-là, pardon. Et bon. Et on a les murs. Même chose. La porte, vous la connaissez. Vous prenez votre petite porte. Et vous la déplacez, alors, déplacement, contrôle, on va se mettre plutôt au milieu, voilà, et là on peut utiliser l'outil de pousser tirer parce que là on a une épaisseur et si on va tout simplement sélectionner cela, on va tomber quand même sur la face, vous voyez, interne. Donc non, ça ne suffit pas, donc on va prendre l'outil pousser tirer et on va tout simplement pousser jusqu'à ce que la porte disparaisse, y compris le mur intérieur. Parfait. Maintenant, on a une partie inférieure de la maison. On va la sélectionner entièrement, triple clic gauche, et on en fait un groupe. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va faire un plafond. Voilà. Parce qu'il y a évidemment une maison. Moi, je vous ai montré les choses de très rapide, mais en réalité, il faut toujours un plafond. Faudrait, voilà. Eh bien,
On va donc faire. Alors, on va le faire à part. On l'a là, d'ailleurs, on a la chance. Donc, je vais l'utiliser, celui-ci. D'abord, je le copie-colle pour la dernière méthode. Et je vais donc faire l'extrusion de ce plafond-là. On va faire un plafond de 0. Allez, 30 cm de plafond, 40 cm de plafond. Voilà, super. On va aussi en faire un groupe. Voilà, c'est bon. Et on va le déplacer au bon endroit. Donc, on prend l'extrémité, prenez toujours les extrémités, et on va la mettre au-dessus de notre maison. Vous voyez? Or, là, on peut faire plein de choses. On peut faire le toit de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc, on pourrait tout simplement même dessiner un toit à part. Attention, hein, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, on se met en vue de face, par exemple, et on fait juste un triangle. Hein. C'est tout à fait possible. Alors là, on a la possibilité de faire des polygones, par exemple. Vous avez des côtés 6, vous en faites 3 plutôt, vous voyez. Entrée, donc vous allez effectivement vous mettre sur le bon axe. Alors peut-être que oui, on va se mettre sur l'axe là. Voilà, le vert. Ouais. Donc, bon, c'est un peu grand. Il faudrait paramétrer parce qu'il y a le rayon inscrit. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas terrible cela. Je me demande si on peut pas le faire plutôt ici, comme ça on peut pas se tromper. Non, parce que le problème c'est que c'est le rayon inscrit. Du coup, on va prendre cela. On va voir. On va voir. Hein, et on va le déplacer surtout. Hein. Alors, on va mettre ça déjà ici, d'accord? Et puis, on va le pivoter. Donc, comme ça, vous voyez un peu tous les outils voilà, que l'on peut utiliser. Donc, l'idée étant de faire pivoter cela comme cela. Donc, non, effectivement, ce n'était pas assez. Oh, tant pis, j'aurais pu le faire différemment. Mais enfin, c'est une manière de vous montrer comment utiliser aussi les outils de polygone. Et alors là, vous le comprenez ce que je vais faire maintenant. Je vais utiliser l'outil d'échelle, donc ce qu'a lui m'arrive jusqu'à là. Hein. Alors, je vais utiliser celui-là et tac. Ah. Bon, c'est trop grand, bien sûr. Alors, je vais réduire un petit peu. À la limite, je me mets à la même hauteur que celui-là, mais après, ça fait un peu petit. Enfin, bref. Si. Allez, comme ça. Et ensuite, si vraiment vous voulez pas perdre votre temps, voilà, tac. Et vous avez jusqu'à là. Et le toit est fait. Ouais. Texture, etc., etc. Et sinon, vous connaissez un petit peu maintenant comment ça fonctionne. Donc, vous sélectionnez le tout, vous en faites un groupe et éventuellement, alors pas tout, peut-être vous aurez pu sélectionner juste les deux faces. Donc, ça, on le laisse comme cela. On pourrait même l'ouvrir en réalité, mais voilà. Et pourquoi on peut l'ouvrir? Parce que quand on fait un toit, bien sûr, on a besoin des poutres qui sont là, mais on a besoin aussi de quelques soutiens, supports ici. Alors, ça dépend évidemment de la charpente. Il y a plein de charpentes différentes. Ce que l'on pourrait faire, c'est aussi des choses qui sont de ce genre-là. Juste histoire de donner. Pardon, histoire de donner l'impression. Non, mais c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. On va l'obtenir quand même. Voilà. Donc, par exemple, on pourrait. Voilà, vous voyez. D'accord. Donc, on va faire ça. Et bien sûr, il faut lui donner une épaisseur, hein, ça c'est clair. Donc, vous pouvez faire pas comme ça de l'intérieur, ce qui pose un certain nombre de problèmes techniques, mais pas vraiment. Voilà, vous voyez. On va le voir mieux ici. Oups. Il vaut mieux, par contre, que cela. Oui, c'était un bloc, c'était un groupe, oui, bizarre, hein, parce que vous avez vu que quand on modifie, c'est pas un groupe, bizarrement, alors je vais le prendre de l'intérieur, voilà, c'est un petit peu, parfois, alors c'est compliqué, hein, bien sûr, alors on va prendre ça et on va, voilà, normalement ça marche maintenant, parce que c'était pas un groupe tout à l'heure, et donc voilà, c'est ça que je voulais, vous voyez? Donc, vous avez des supports comme cela, on peut en faire plein, hein, à côté et de façon régulière. Après, encore une fois, je fais les choses rapidement, donc on n'est pas forcément
Ah, là, je suis en train un petit peu. Oups, ça ne veut pas. Il ne me fait pas de face. Peut-être que je ne suis pas. Oui, probablement parce que. C'est bon, je ne sais pas. J'étais peut-être. J'avais pas. J'étais pas droit. Donc, vous savez qu'un plan passe par trois points. Si vous déplacez, alors il n'y a plus de plan et tout ce qui va avec. Donc, là, on peut essayer effectivement de faire la même chose. Il faut que j'aille derrière. Voilà. Et donc, double clic normalement. Et oui, sauf que mon ami est dans l'autre direction. Donc, tapis, on va le faire ici et on va utiliser comme repère si j'y arrive. Alors, je répète. Oups. Voilà. Parfois, il faut un petit peu de. Voilà. Il faut être un petit peu insistant, mais ça marche. Voilà. Donc, on peut en faire d'autres, etc. Alors, il faut savoir que techniquement, le toit, comment ça fonctionne? Il faudrait ces supports-là et. Sur ces supports-là, il faudrait des poutres, d'accord? Deux poutres comme ça, bien sûr. Et puis sur ces deux poutres qui forment le triangle du fronton, si vous voulez, il y a évidemment celles qu'on pourrait appeler plutôt des pannes, hein? Des pannes sablières, voilà, jusqu'à à la panne faîtière qui est la panne centrale, la panne du sommet du toit. Bon, on va pas faire un cours évidemment sur les toitures, même si j'aimerais bien en faire un. Je vais reprendre mon premier fichier pour voir justement ce que j'ai. Qu'est-ce qui est. Non, ça c'est l'SKB, c'est le backup. C'était celui-là, voilà. Je voulais voir si j'ai. Qu'est-ce que j'ai encore envie de vous montrer. Et oui, bien sûr, c'était précisément ce cas-là. Donc, faire cette poutre, cette double poutre-là, en façade, parce que je pense que c'est un bel exercice. Et alors, la maison, vous la connaissez. Je la refais tout de suite, comme ça vous donne. Alors, l'outil de décalage, bien sûr. Voilà. On va lui donner, comme d'habitude, 0,5. Attendez, parce que j'ai un problème d'affichage. Voilà. Oups, trop violent. 0,5. Et c'est bon, on va faire l'extrusion de ça jusqu'à ça, très bien. Ensuite, bah, si je l'ai faite, c'est là, sinon je vais la refaire. Ah, si, elle était bon, moi, je pense. Alors, outil de déplacement, contrôle, et je vais la récupérer d'ici et je la mets ici. Est-ce que j'avais fait contrôle? Non. Donc voilà, maintenant je devrais pouvoir la copier. Oui, j'avais pas, peut-être je m'étais trompé, donc copier-coller. Parfait. Donc ça c'est fait. Maintenant, ce que je vous disais, l'idée c'est qu'un toit n'est pas simplement, ça ne se fait pas du tout comme ça, évidemment. On pourrait même récupérer, si j'ai bien fait les choses, ces deux poteaux-là. Hein, pourquoi pas? Alors, je vais voir si par hasard j'arrive à récupérer. Ah, oui, parce que j'ai. Alors, je vais juste masquer un instant ça. Voilà, vous pouvez masquer les choses sans les effacer. Je vais masquer ça aussi. Voilà, comme ça. Ah oui, c'était. Bon, c'était bizarre, il y avait deux faces, je ne sais plus pourquoi. Voilà, alors, l'idée, c'est de récupérer. Attends, je vais masquer tout parce que je n'ai pas envie de. Voilà. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a qui me dérange. Ah oui, c'est ça qui est resté. Bizarre ça. Bon, tant pis. Allez, je l'enlève pour l'instant. Oui, parce qu'en plus, je n'en ai pas besoin. C'est des lignes dont je n'ai pas besoin. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi elles sont là. Bien, je vais les récupérer, au moins ces deux choses-là. Et ça, les deux. Je vais, comme d'habitude, utiliser le placement, contrôle. Et je vais les mettre quelque part sur mon toit, ici à côté, juste histoire de. Voilà. Donc, et puisque entre-temps, j'avais masqué pas mal de choses, je vais dans édition et dans affichage, pardon, c'est là. Objet caché, oui, mais enfin, je vais les voir surtout. Je pense que c'est ça, exactement, révéler tout. Voilà. Parfait. Par ailleurs, n'oubliez pas que vous avez pas mal de possibilités d'afficher les choses. Alors là, c'est justement pour voir l'intérieur, c'est pour être toujours intéressant.
les arrêts de cachet. Oui, vous avez juste le dessin, une sorte de sketch, comme nom du logiciel. Voilà. Il y a des affichages qui sont particulièrement intéressants, même en vrai. Voilà. Et donc, nous, ce que nous utilisons d'habitude, c'est aucun de celui-là. Donc, il faut que j'arrive à les désactiver. Nous, il nous faudrait. Voilà. C'est ça, en vrai. Très bien. Alors. Je disais le toit, donc il faudrait ces lignes-là, vous voyez, le triangle, si vous voyez, de toit, que l'on peut d'ailleurs récupérer assez aisément, on peut le redessiner si vous voulez, hein, parce que ça suit un petit peu cette inclinaison-là. Sauf que j'ai, ouais, non, je ne l'ai pas mise au bon endroit, donc tant pis, je vais refaire aussi les poteaux ici, hein, en tout cas, je vais les, pour l'instant, les garder de côté. Voilà. Voilà. Et je vais donc les mettre ailleurs pour l'instant. Tac. Alors, je vais me faire mon triangle. Je peux le faire assez rapidement, c'est-à-dire, bon, je le fais d'abord, ouais, sur le sol. Comme ça me permet de vous montrer encore quelque chose. Hein. On essaie d'avancer vite. Donc, voilà, je vais faire un joli toit. Tac, je vais le faire vraiment assez. Par contre, il faut que ce soit un toit qui fasse 7 mètres. Donc, une première ligne qui fasse 7 mètres. Voilà, je vais la contraindre et je l'axe rouge, donc 7 mètres. Et bon, je vais mettre au point du milieu et je vais faire un toit qui fasse 2 mètres. Allez. Allez, c'est bon. Donc, j'ai ça. Voilà, j'ai ça. Parfait, vous comprendrez ce que je vais faire pour l'instant. Je ne voulais pas évidemment tout ça, moi je voulais tout ça. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est uniquement ça. Ouais. Pourquoi? Je vais faire la révolution de cela. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de me mettre comme ça, ou bien de faire tourner. Alors, je peux le faire déjà avant, je reviens en arrière d'un instant. Je vais prendre tout ça et je vais le mettre debout. Voilà. Donc, je vais utiliser en changeant avec les touches du clavier, évidemment. Là, je me mets sur l'axe rouge. Je donne l'angle de rotation. Vous voyez, et je le fais pivoter. Ah, est-ce que je l'ai bien fait? Ah, peut-être pas encore, pas totalement. Je vais le répéter parce qu'il a dû y avoir un petit souci. Tac. Tac. Et je vais mettre sur l'axe bleu. Voilà, là c'est bon. Donc là c'est bon. Je vais faire quelque chose, vous comprendrez mieux. Donc j'enlève ça, j'enlève ça. Je vais dessiner la poutre sous forme de rectangle. En fait, j'aurais pu le faire aussi en bas, ça aurait été plus simple. Allez, je le fais d'abord comme ça. Et ensuite, je tourne le tout. Voilà, allez. C'est mieux. Mais comme ça, vous avez vu encore une autre manipulation. Donc, je vais dessiner une petite poutre ici, à ce niveau-là. Donc, tac. Vous la verrez dans quelques instants, la poutre. Hein. Oui, c'est peut-être plus simple, c'est ça. Je le fais pas forcément. Voilà, vous voyez, c'est un petit rectangle, sauf que peut-être qu'il vaut mieux que je le fasse. Oui, on va essayer. Je fais juste un petit rectangle comme ça. Maintenant, sélectionne les deux lignes et je vais utiliser l'outil d'extrusion, de révolution. Suivez-moi. Donc, l'active et je lui dis. Voilà, à mon rectangle de suivre les deux versants du toit. J'ai donc obtenu les deux poutres. Deux poutres qui maintenant, alors là, je vais le faire, peut-être c'était mieux de le faire maintenant, je vais les sélectionner. À la limite, je vais aussi faire un groupe, comme ça c'est plus simple à utiliser, et je vais déplacer selon l'angle que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'angle, et puis je contrôle sur l'axe bleu, très bien. Je prends mon outil, je vais me mettre sur l'une des extrémités, pardon, et je vais jusqu'à là. Voilà, la poutre est faite. La poutre est faite. Alors, si j'en vais une deuxième ici, parce que voilà, les deux poutres, je vais faire un nouveau contrôle.
Et voilà que je me suis. Alors, je me suis mis un peu mal. Ben, je vais la remettre au bon endroit. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est bien. D'ailleurs, les poutres débordent toujours un petit peu. Mais ça me paraît plutôt bien. Donc, si maintenant je vais récupérer mes deux trucs, mais je pense que je n'ai pas utilisé la même hauteur, je peux essayer de voir si ça marche. C'est une perte de temps. On essaie juste une fois et on va voir si ça marche. Sinon, tant pis. D'accord? Ouais, parce que c'est là pas la même taille, mais on peut toujours ça, hein, on peut toujours améliorer ça. Hein, on n'est pas obligé de. On peut, par exemple, le mettre à l'échelle. Alors, je vais le faire juste pour un de ces deux poteaux, on va dire comme ça. Alors, est-ce que c'est un groupe? Non, pas encore. Je vais le transformer en groupe. Je vais le mettre au bon endroit. Enfin, on va le mettre ici, on va dire. Et il faut espérer que la pente n'est pas la même, vous voyez, et c'est ça le problème. Donc, ça ne marchera jamais comme je veux, mais ce n'est pas grave, je pourrais mettre comme ça. De toute façon, vous savez que souvent on fait ce genre de choses, donc on le fait rentrer dedans. Je constate que mes poutres ne sont pas parfaitement pivotées. Et donc, bon, bah, tant pis, enfin, c'est pas si grave, on va pouvoir le faire. Hein, pas sur cet angle-là. Quel angle? C'est l'angle rouge, oui, bien sûr. Ouais. Sauf que là, ça va être un petit peu compliqué parce que ce que je veux, moi, je ne vais pas le comprendre. Il faudrait que je ne sois pas contrôle. Ah, sauf que. Voilà, je n'arrive pas à obtenir le bon angle. Bon, là, je le fais assez rapidement parce que je n'ai pas envie maintenant de perdre mon temps là-dessus. Voilà, on va dire que je l'ai fait. Évidemment, ce n'est pas comme ça, mais vous m'avez compris, ça va à peu près. Allez, et puis bon, ça se rattrape d'une autre manière. L'idée était juste de montrer cela. Donc maintenant qu'on a ce poteau, on peut le mettre à l'échelle. Donc on va le sélectionner et n'oubliez pas de le transformer en groupe à chaque fois, sinon il va y avoir des soucis ensuite de déformation. Donc échelle, voilà. Et oops, pardon, j'ai été un peu trop violent dans la mise à l'échelle. Voilà, à peu près ça, on peut toujours améliorer les choses, mais franchement, on en a. Voilà, là, comme c'est pas tout à fait correspondant, on n'a pas l'accrochage parfait. Bon, enfin, vous voyez, donc, à peu près, l'idée est justement de vous montrer comment travailler sur les échelles, etc. Je ne travaille pas comme ça d'habitude, mais. Voilà, c'est une manière de montrer comment modéliser rapidement, trouver des solutions. Maintenant, ce qu'il reste à faire, vous le connaissez, c'est de faire des poutres. Alors, tout à l'heure, on avait commencé à faire des poutres assez rapidement en se mettant ici, en essayant de construire un rectangle qui fasse un sens. Alors, ce qui est parfois un peu compliqué, parce que, oui, il fallait se mettre sur l'axe bleu. Alors, j'ai peur que je crois que ça ne marche pas dans la mesure où là. Ah, moi j'ai besoin de quelque chose de pareil, mais sans figer. Donc, non. Voilà, il faut que lui, il arrive à me faire quelque chose qui soit parallèle et vertical. Mais comme les poutres ne sont pas verticales, je crois que ça ne marchera pas. Alors, ce que, par contre, est intéressant, alors, vous pouvez évidemment reprendre une de ces poutres. Hein, je pense que j'ai transformé en groupe. Donc, voilà, déplacer, tac, tac, et vous les mettez là. Voilà. Bon, sauf que l'inclinaison n'est pas tout à fait la même. Mais là, vous savez, encore une fois, vous avez la possibilité de modifier l'inclinaison, donc vous avez ce petit déplacement de rotation, donc c'est essentiellement cet angle-là, oui, il faut que ça change, hein. Donc il faut lui donner des gens, hein, je dirais que c'est plutôt ça comme angle qu'il faut lui donner. Voilà. Voilà. Et voilà. Parfait. Très bien. Donc là, ça marche. C'est un peu grand. Hein. On va voir de l'autre côté aussi ce que ça donne. Ouais.
Puis on peut en faire autant que l'on veut. Alors, est-ce qu'on les fait au hasard? Non, pas forcément. Vous pouvez faire quelque chose de très intéressant. Vous débloquez, vous éclatez le bloc ici. Et puis, vous sélectionnez cette arête-là et vous faites clic droit de la souris et vous faites diviser. D'accord? Et quand on la divise, on voit que des points se forment. Et vous pouvez diviser, vous voyez, en plusieurs arêtes. Donc, on va dire, par exemple, 6 segments. Tac. Donc, maintenant, votre poutre est divisée en 6 segments. Donc, vous pouvez aller sélectionner votre poutre, celle-là, enfin, panne plutôt, la panne sablière, et on va pouvoir la déplacer cette fois-ci, enfin, copier-coller autant de fois que nécessaire, vous voyez, sur les points, et tac, qu'on a obtenu tout à l'heure. Ouais. Je ne sais pas si maintenant j'utilise les bons points, parce que parfois il faut faire attention, il y a des points centraux, des points du milieu. Hein. Enfin, alors, pas sûr que. Voilà. Vous voyez? Il les repère lui-même. Tac. Ouais. Et je pense qu'il doit y en avoir encore un dernier. Est-ce que je suis en train de copier-coller? Ouais. Le dernier là-haut, ce n'est pas le meilleur parce que bon, là, on a besoin de. Bon, oui, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Donc, voilà, et puis vous allez éventuellement utiliser, si je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à présent, vous prenez alors, ils sont tous des composants, donc c'est très bien. Donc, vous pourriez prendre ça et colorier avec, non pas les tuiles, évidemment, mais dans matière. Qu'est-ce que vous avez comme bois? Ah, il y a du bois, bon, c'est pas terrible, mais enfin, on peut utiliser du bois, oui, avec plaquage. Donc, et puis là, on peut agir beaucoup sur la dimension, histoire de voir un petit peu vraiment l'effet du bois. Je sais pas si c'est assez visible. Hein. On dirait que non, mais enfin, voilà. Non, c'est trop petit. Voilà, bon, on peut s'amuser avec ça. Peut-être que ce n'est pas le meilleur des bois. On peut choisir autre chose, ça, peut-être. Voilà, ça donne. C'est vraiment tout petit. Il faut voir ce que l'on peut. Ah oui, si, peut-être là, on peut récupérer quelque chose. Voir quelque chose. Non, on va pas. Et si on fait ça? Voilà. Non. Peut-être qu'il faut plutôt augmenter, peut-être, pour voir cela. Ouais. Non, c'est bizarre, on n'arrive pas, il faut vraiment que ce soit hyper petit. Oui, parce qu'on est en mètres, donc voilà, peut-être 0,1. Hein? Non, bah, c'est extrêmement bizarre, mais enfin. Peut-être que c'est encore 0,01. Non plus. Bon, comme quoi, la texture ici n'est pas terrible. Oh, c'est toujours un petit peu. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Non, donc, pour le mur, on va quand même changer. Avant de se quitter, on va y mettre quelques briques. Voilà, comme ça, au moins. Et vous voyez, là, c'est vraiment un problème de texture, c'est-à-dire qu'ils sont trop grands. Voilà. Est-ce que ça marche un petit peu mieux? Alors, c'est assez fou tout ça. Voyons si ça marche un petit peu. Non, effectivement, c'est. Il va y avoir un petit problème de. Oui, vous voyez que ça a disparu même. Il y a un petit bug dans le logiciel. Voilà pourquoi je ne m'en sortais pas. Effectivement, il y a un tout petit bug qui a fait sauter un petit peu les textures. Voilà. Depuis tout à l'heure, parce qu'on avait la texture ici qui marchait très très bien et là ça a sauté. Bon, c'est rien de spécial. Donc c'est bien ce qu'il faut faire, mais bon, à cause du bug, ça n'a pas marché. Mais enfin, au-delà de cette histoire de texture, je pense que nous avons fait le tour et là, bon, vous avez, j'espère, compris aussi ce que j'ai fait à la fin, c'est-à-dire j'ai tracé un profil. Et j'en ai fait la révolution. Donc, je répète, quelque chose que je veux faire, juste le profil, voilà, je me mets du haut dessus, top. Je trace un petit profil, mais ça peut être n'importe. Hein.
Et d'ailleurs, si on fait un triangle, autant le faire bien. Donc, toi, voilà, j'y suis. Donc, vous savez que le triangle, malheureusement, c'est toujours comme ça. Je vais essayer de le bloquer selon un axe. Il n'est pas le meilleur, celui-là. Bon, allez, on va faire celui-là. Puis, quitte à le réduire. Voilà. Voilà. Très bien. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on efface, oups, on efface juste ce qu'il nous faut. Donc, bizarrement, il veut ça. Et on va faire ici un joli rectangle vertical, histoire qu'après lui, puis je sélectionne le profil, je clique Shift, l'outil suivez-moi. Et paf, j'ai mes deux poutres. Alors, on peut l'utiliser pour dans énormément de champs, domaines différents, mais voilà, ça c'est un bel exemple, il me semble. Et sur cet exemple, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage avec la modélisation des toitures. Au revoir.